Le sucre. Le sucre. Comme si c'est tout ce qu'il nous restait à nous dire. Je ne vais pas recommencer à matin. Ça fait une semaine tu fais la baboune. Ça fait une semaine tu chiales. Tout ça parce que monsieur m'a vu dans la chambre de Gabriel. Puis, t'en remets-tu, là? Il me semble qu'on en a assez parlé. Justement, j'ai plus rien à dire. Sais-tu de quoi on a l'air? On a l'air d'un vieux couple qui a plus rien à se dire. Le sucre. On peut-tu prendre un break, là, juste un matin, OK? Tu vois, c'est ça. Moi, je veux qu'on parle de nous autres, puis toi, tu veux prendre un break. C'est ça, un vieux couple. Ben moi, c'est pas ça que je veux, puis là, je me fais penser à ma mère, puis ça m'énerve. Pas rapport. Regarde, là. Avant, on faisait rien comme les autres. Mais maintenant, on est pareil comme tout le monde. Pareil. Quand je veux qu'on parle, ou bien donc si on a un problème, toi, tu passes ta moto. C'est pas ça, un coup, Pete. C'est-tu bien nécessaire, là? Regarde, là. Qu'est-ce que je disais? Il n'y a plus moyen de se parler. Oh, come on. Moi, je veux pas que ça devienne plate comme ça. Faut qu'on fasse quelque chose. Ton but à toi, c'est de pas te sauver. Pour moi, là. Un couple, c'est du monde qui s'aime. T'es pas tout le temps obligé de te parler. Le silence, c'est important dans un couple. Être bien en silence, ça se peut, ça. Le silence, pas l'absence. Là, c'est comme si t'étais plus là. Tu penses à autre chose. Coudonc, tu m'aimes-tu ou non? J'aime autant savoir tout de suite, hein? Petit déjeuner, là, tranquille. Comme ça, vous dites 3h30 au lieu de 2h. D'accord. C'est ça. Au revoir. Tu voulais me voir? Ah oui. Je voulais justement te prévenir qu'il va y avoir une visite de la maison aujourd'hui. Une visite importante. Est-ce que tu as fait le ménage de ta chambre? Une visite? Mm-hmm. Ben oui, on a fait le ménage, là, comme d'habitude. Écoutez, je tiens à ce que vous gardiez la maison propre, et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Hmm? OK. C'est qui vient? Ah, c'est mon nouvel agent qui a trouvé quelqu'un que la maison intéresse. Et c'est ça qui compte. Oui. Il vient à quelle heure? Ben, 3h30. OK. OK. C'est correct. OK. C'est tout ce que tu avais à me dire? C'est tout. OK. Au fait, ça va bien, toi, ce matin? Oh, ça va, ça va. Salut. Ça va pas? Oui. Je pourrais-tu déjeuner tranquille, là? Oui, patron. Hein? Salut, Pete. Comment ça va pas? Ça te ferait-tu rien de rejoindre ton choix de gouttière dans le salon, là, puis de me laisser déjeuner tranquille? Mon Dieu! Oh. Pete, t'as-tu pu déjeuner tranquille? Mais vous voyez trop grand. Dans la conjoncture économique actuelle, là, faut être prudent. Marc-André, arrête de toujours répéter la même chose. T'es vraiment ennuyeux. Écoute,
Je sais de quoi je parle, j'étudie là-dedans, mon chaton. Des compagnies qui font faillite, j'en vois tous les jours. Moi, ce que je veux, c'est vous aider, hein? Ben oui, aide-nous, mais déprime-nous pas. Ben, on va en parler à la réunion, là. Ça tient toujours pour cet après-midi? Ben oui, c'est à 1h30. Mais tu nous encourages, hein? Pas de... Toi, là, si on t'écoutait, là, on a l'impression que ça marcherait jamais. C'est vrai! J'ai compris. Hey, il y a encore quelqu'un qui m'a reconnue dans la rue hier après-midi. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup ma chronique. T'as rendu compte, ça fait la troisième personne en une semaine. C'est pas pire, hein? Mais c'est bon, t'étais bonne, mon chaton. Oh, mon Dieu, j'étais bonne, mais j'étais super énervée. Je cherchais tout le temps la caméra. Le pire, c'est quand j'ai craché sur l'animateur, hey. Non, mais c'est vrai, ça a été la honte de ma vie. Mais justement, Yves, là, l'animateur, super gentil. C'est vrai, lui m'a dit que la première fois, ça avait été pire. Il y a eu un blanc de mémoire. Au moins, moi, j'ai pas eu ça. T'étais fantastique. Pour une première fois, là, je te le dis, tu l'as naturellement, ça. Tu vas voir la prochaine fois, là, ça va aller comme sur des roulettes. J'espère. Mon cœur battait tellement fort, là, que j'entendais même pas ce que je disais. Mais en tout cas, l'important, c'est que le monde aime ça, hein. Qu'est-ce que tu fais? On s'en va-tu, là? Ben, je t'attends. Ben, tant mieux, parce que sinon, t'es en retard. C'est normal qu'il y ait une visite. Je comprends pas pourquoi ça t'énerve autant. Parce que si ça se vend, on est dans la rue. Comprenez-vous ça? Si le visiteur aime la maison, là, ben c'est bye-bye la pension. Oui, mais ça se vendra pas comme ça. Ça prend du temps avant que ça se fasse. Oui. Même s'il aime ça, Chloé. Oui, mais il faut pas prendre de chance. Il ne doit pas aimer ça, c'est tout. Faut faire quelque chose! Mais quoi? Une visite, Chloé? Tu t'énerves pour rien. Il va vouloir revenir trois fois. Puis après, il y a la période de négociation. Louise nous mettra pas à la porte la semaine prochaine. Hey, t'as-tu lu le papier? Hey, il y a rien qui dit que ça va se vendre aujourd'hui. C'est écrit! Dès que la maison est vendue, nous autres, on doit partir. Si la maison, là, elle se vend dans, mettons, une semaine, là, mais nous autres, c'est au revoir, merci, bonjour. Oui, mais on le savait, ça, en revenant ici. Si t'étais pas d'accord, t'avais qu'à rester où t'étais. Ah, OK, 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 d'accord. Ben oui, pour vous autres, ça n'a pas beaucoup d'importance, OK. Mais pour moi, hein? Non, mais regardez-moi le ventre, là. Pensez-vous que je peux déménager souvent? Non. Puis moi, je veux rester ici. Pour ça, il faut trouver un moyen pour que la maison ne plaise pas aux visiteurs, un point, c'est tout. Non, non, non. Ça, Louise, te le pardonnerai jamais. Louise, je m'en occupe. Les filles, vous ne me laisserez pas tomber, hein? Je compte sur vous autres. Ouais, tu peux. Mais c'est quoi ton plan? Je cherche, là. Je cherche. OK, on se donne rendez-vous, disons, à 3h, OK? Je vais avoir un plan à ce moment-là. Moi, ça va dépendre. Je vais essayer d'être ici à 3h, puis je verrai à ce moment-là. OK? OK, okay. À 3h. Bon, un muffin, un café, 1,50, c'est pas compliqué. Ça a bien augmenté. Ben oui, tout augmente, t'écoutes pas télé, toi. Un cassini, un beau 30 sous. Tu t'achèteras de la gomme à lune. Ah, merci. Salut. Fille. Vous ne devrez pas appeler ça le café étudiant ici, vous devrez appeler ça l'aquarium à tatar. Ouais. C'est pas de niaiserie au moins. Mais non. Veux-tu quelque chose? Ouais. Un café, celui de matin, est passé tout droit. Une chose, là. Un morphine. Bon, ben, reste pas planté là, va t'asseoir. Mm. Mm. Salut. T'es en retard. Ouais. J'ai eu un cours sur la philosophie de la vie de couple à matin. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Je veux savoir si tu veux faire des photos pour le journal. C'est bien certain. Dans ce cas-là, je veux des photos de la direction puis du secrétariat. Puis pas n'importe quel, je veux des photos de directeurs qui parlent à leur femme au téléphone, des secrétaires qui lisent des romans, là, des trucs comme ça. On fait du scandale cette année. Je veux savoir où va notre argent. Je veux qu'on dénonce les incompétents. C'est ma dernière année, puis j'ai envie de dire tout ce que j'ai envie de dire. Puis je veux aider les étudiants à parler de ça. Pour ça, ça me prend des bons journalistes et des bonnes photos.
Hélène va faire des enquêtes, elle va dire qui photographie. Marche. C'est pas correct. Elle va gricher des dents, par exemple. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Non, mais ça arrive à tout le monde, un accident, là, capote pas, c'est ma première journée. Ta mère, elle va te nettoyer ça, là. Je suis pas contente, va t'en manger la cafétéria. Caroline, t'aurais pu t'excuser au moins. Ben, vous m'excusez des malades. Ça sont trois gouttes de café puis ça crie aux meurtres. Ça paraît que ça n'a jamais rien vu. Hey! Mon café! Un instant, café! Qu'est-ce qui se passe, donc? Marjolaine était complètement enragée. Qu'est-ce que tu as fait? Et le café de monsieur. J'ai un cours un peu plus tard, je vais te laisser travailler. Je t'écoute un peu, puis après je pars. Mais je vais finir vers 2h30 aujourd'hui. Je sais pas, moi, on fait quelque chose, hein? On pourrait aller au musée. Il paraît que l'exposition est superbe. Oh non, j'ai vraiment pas le temps. Puis j'aurais besoin de toi, Étienne. Ah ouais? Pourquoi faire? Ben, c'est parce qu'il y a une visite de la maison aujourd'hui. Fait que j'ai une idée, j'aurais besoin de toi. Ben, tout le monde en fait. Tu veux qu'on fasse le ménage? Mais non, tu y es pas du tout. Je veux pas que ça se vende. Alors, j'ai eu une idée géniale. Y a personne qui va vouloir acheter cette maison-là. Non, 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 non. Mais... Chloé, ça me regarde pas, ça, là. Si Louise veut vendre, là... Hein? Et te mêle pas de ça, toi, non plus. Mais pense à notre bébé, Étienne. Où est-ce qu'il est le mieux, lui, hein? Chez Louise. Ça non plus, je suis pas d'accord. Tu le sais très bien. Et puis, je suis pas sûr que ton idée soit bonne, alors. Écoute, s'il te plaît, fais-le pour moi, Étienne. Hein, tout le monde va être là, toi aussi, allez! Si tout le monde est là, raison de plus pour que j'y aille pas. J'habite plus là, moi. Non, 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 non. Non, j'irai pas. Oh. Alors, oublie ça. Oh, 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 viens pour moi. Me faire plaisir, hein? Oh, je sais pas comment tu fais, mais tu réussis toujours par m'embarquer dans tes combines. Je t'adore. Tu me fais pas faire trop de conneries, hein, quand même. Hein? Inquiète-toi pour. Bon, ben moi, c'est comme ça, je débarque. J'ai un peu plus de ta job. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Toi, tu garderas jamais une job. Dans le fond, t'es encore un bébé. Ben là, je me laisserai pas insulter, OK? Ni par toi, ni par tes clients, débile. Mais tu peux me dire comment t'as fait pour y renverser un café de tu? Ben, je sais-tu, moi, c'est ma première journée, Lola. Je pensais aux commandes. C'est tombé tout seul, là. C'est tombé tout seul. Ben là, ça sert à rien de discuter. Fait que trouve-toi donc quelqu'un d'autre. Merde, Caroline, t'es pas fiable. C'est ta première job, ça. Il me semblait que c'est ça que tu voulais, être serveuse dans un restaurant quelque part où il fait chaud. J'ai entendu dire ça assez souvent. Mais c'est pas un restaurant. Ici, on est à l'école. C'est des étudiants comme moi. Pourquoi je me ferais chier? Parce que t'apprends. Pour une fois que t'apprends quelque chose qui va te servir toute ta vie, merde, tu pourrais te forcer un peu. Mais non, madame est tellement habituée qu'on s'occupe d'elle que c'est pas grave. Mais ça, tout le temps en train de rire de moi, moi j'en ai ma claque, je veux qu'on me respecte, OK? Laisse-moi dire que tu fais pas rire grand monde. Excusez, je vais revenir. Écoute, je veux une job sérieuse. Une job où c'est qu'on va voir que je suis plus intelligente que mon âge. Mais pour ça, ma petite fille, il faudrait peut-être que tu prouves que tu le mérites. Puis si tu lâches une job au bout d'une demi-journée, ben, c'est pas surprenant qu'on te fasse pas confiance, hein? Tu veux qu'on te respecte? Ben, fais-la ta job, fais-la bien, puis fais-la donc jusqu'au bout. Mais j'haïs ça. Bon, ben, coudonc, si t'haïs ça. Va-t'en d'abord, c'est toi qui décides. Non, c'est correct. Tu veux que je te prouve que je suis capable, ben, je vais le faire, puis t'auras pas un mot à dire. Bon. Ben, commence donc par nettoyer les dabs tout de suite, c'est dégueulasse ici. C'est pas évident de les faire parler. Il va falloir que j'y retourne cet après-midi. Pete va y aller avec toi. Tu me dirais qui tu veux en photo. Moi, puis j'ai un autre projet. Je veux qu'on parle de racisme. Tu sais, des fois, je me demande si, si je le tue pas un peu. Toi? Ouais, on sait plus ce que c'est. Je me demande si on en fait pas trop. Des fois, si on va pas trop loin. L'autre fois, à TV, il y avait un père de famille.
un de ta couleur. Je sais pas comment appeler ça. Ben, il disait que ses enfants étaient nés au Québec, puis que le monde leur demandait où est-ce qu'ils étaient nés. Quand ils répondaient au Québec, ils se plaignaient qu'on leur demandait d'où venaient leurs parents. C'est-tu vrai que c'est pas correct, ça? Ben, ça dépend de comment c'est demandé. Si ce que tu veux, c'est juger si l'endroit d'où ils viennent, c'est un endroit correct, c'est pas bon, ça. Mais si c'est par curiosité... Oui, parce que moi, je me fais souvent poser cette question-là, ben, à cause de mon accent. Mais ça me dérange pas. Moi, je veux qu'on fasse le point là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que je le demande plus de temps, cette affaire-là. C'est rien que de la curiosité. Quand je pose la question à n'importe qui, c'est pour mieux connaître la personne. Ça m'intéresse, leur histoire. Ben, toi, tu viens d'Haïti. Toi, t'as fait pas mal le tour du monde. Ben, il me semble que c'est important de savoir ça. Moi, depuis que j'ai vu ce gars-là à TV, j'ose plus poser la question. Je suis gêné. Bon, on va en parler de ça. C'est en plein ça que je veux savoir. Moi, je veux savoir où le racisme existe, puis où est-ce que ça arrête. Moi, je calcule que de la saine curiosité, là, on n'appelle pas ça du racisme. Pas plus que de demander à quelqu'un de te parler de sa religion. Ben oui, ça finit que on sait plus quoi faire ou quoi dire. On a toujours peur de faire une gaffe. Salut! Hey, est-ce qu'Hélène vous a raconté ce qui se passe aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps. OK. Bon, ben les gars, j'ai besoin de vous autres, OK? Il y a une visite de la maison aujourd'hui. J'ai eu un plan. Alors, je vous attends à la maison à 3 heures, OK? Hélène va tout vous raconter. Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce qui se passe, là? C'est bien correct que j'ai une visite de la maison. Vous attendez après ça? Ben, il n'y a pas question qu'à vendre, Bill. Hey! C'est quoi cette histoire-là? Chloé veut qu'on empêche la visite de bien se passer. Shit! Vous avez pas le droit de faire ça? Louise a tout le temps été correcte avec vous autres, ça se fait pas, ça! On va voir c'est quoi son plan, puis on verra après. Pas le temps de vendre, là. Est-ce qu'on irait, nous autres? Oh, non, c'est pas vrai pour toi avec Julien. Shit, c'est pas écave, là! Je savais que je passais devant, puis j'étais un petit peu curieuse. Belle. Comme tu vois, c'est pas très grand, mais c'est parfait pour le moment. Mm-hmm. C'est déjà ça que j'ai mon atelier à moi. Je suis allée chez le fleuriste pour décorer ma maison, m'acheter quelques fleurs, puis j'ai pensé à toi. Oh, merci, c'est gentil. Est-ce que je peux jeter un œil? J'ai presque rien vu de votre collection. Ben oui, regarde. Il y en manque pas mal, par exemple. On a déjà livré plusieurs à des boutiques. Il y a beaucoup de demandes. Surtout depuis que Geneviève a fait son émission en télévision. Oh là là, c'est joli, hein? Vraiment très intéressant. Ben, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, je te fais un prix d'ami. Ben, je te remercie, mais une autre fois. Je suis pressée. Aujourd'hui, j'attends des gens à la maison. Ah, oui, pour une visite? Mm-hmm. Oui, Chloé me l'a dit. Qu'est-ce que tu vas faire s'il veut l'acheter? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre, c'est sûr. Puis nous autres, il va falloir s'en aller? Ben, pas tout de suite, quand même. J'ai l'intention de leur demander une prise de possession pour le mois de juin. Ben, je vous demanderai quand même pas de partir tout de suite. Hein. J'aimerais mieux que vous puissiez terminer votre année. Ah, oh, mais c'est pas ce que Chloé nous avait dit. Ça nous a fait peur. Faut pas vous inquiéter. Je vais leur parler. Bon, ben moi, il faut que j'aille. Hein, à l'heure qu'il est. C'est quand même important, hein, commencer comme ça une entreprise. Oui, c'est très sérieux. Des fois, je me sens encore comme une petite fille. C'est difficile à expliquer, mais j'aimerais vraiment ça être une femme. Tu sais, me servir de ma tête, puis agir en adulte, être responsable. Mais tu sais, on n'essaie pas de devenir un adulte. On le devient. Mais il faut quand même que tu laisses la petite fille parler en toi, parce que c'est elle qui te donne toute ton imagination. En tout cas, moi, je pense. Mm. Oh, mon Dieu, il faut que j'arrête. Bon, t'as compris? Ben oui, je suis pas niaiseuse, là, 3 heures à maison. Ça va, j'ai compris. OK, maintenant que c'est réglé, je veux te faire une proposition. Assieds-toi. Une proposition? Oui, ma chérie. Il y a un poste de libre à radio. Jérôme est parti à l'université. Ça t'intéresse? Hein? Moi, faire une émission de radio.
Pas compliqué, hein? Une heure par jour, de midi à une heure. Faudrait que tu reprennes l'émission de Jérôme. Ben, c'était quoi déjà l'émission de Jérôme? L'émission d'humour un peu, non? Oui. Ben, je sais pas comment faire rire les gens, moi. Je suis pas drôle. Ben oui, pas rire, là, sourire. Puis tu sais comment? Tu sais comment t'as toujours fait ça pour toi, OK? Quand quelqu'un te passe une remarque sur ton poids, là, hein, tu réagis vite? Mmh. Bon, mais c'est la même affaire. Je sais pas, tu parles de ce qui se passe au CGF pour l'extérieur, puis tu retournes ça pour que ça soit drôle. C'est pas compliqué? Ben, si tu trouves pas ça compliqué, fais-le, toi, d'abord. Je serais plus à l'aise avec ton émission, faire des entrevues, puis parler des choses sérieuses. Puis avec tous les magazines que j'ai, là, j'aurais quoi faire toutes les émissions que tu veux. Ben, OK, d'abord, sois toi-même. Ça va marcher, hein? Ben, je le sais pas, la radio... Mais là, faudrait que tu y penses vite, hein, parce que nous autres, on est pressés. Disons que demain, tu commences. Fait que ce soir, j'ai besoin de ta réponse. Hein? Ben là, non, c'est bien trop vite, là! Ben, on peut pas faire mieux, nous autres. Mais je vais t'aider au début. Ben, je sais pas, je vais y penser. Je vais donner ma réponse à soir, OK? OK. Ça va être génial. Tu vas voir, tu vas adorer ça. Hey! J'ai pas dit oui! 3 heures! T'oublies pas, hein? J'ai un plan génial! Génial. On va voir ça. Julien, pas là? Non. Hey, c'est toi qui vas être père? Oui, pourquoi? Non, juste pour savoir. C'est toi le chum de Chloé, c'est ça? Uh-huh. Toi, c'est Gabriel. Salut. Je trouve bien chanceux. Pourquoi? Parce qu'un flow, ça change ta vie. T'en as, toi? Oui. Une belle fille. Elle a commencé à marcher cet été. C'est une vraie joie. Tu te sens pas un peu coincé? Non, c'est le contraire. Au début, c'est sûr, j'avais peur. Je voulais pas me retrouver prisonnier. T'sais. J'avais l'impression qu'on voulait m'enchaîner, mais c'est pas ça pantoute. Ah. Je vais t'avouer un truc. Moi aussi, j'ai peur. Puis il y a des jours où je me trouve bien trop jeune. Ça, mon gars, c'est sûr qu'on aurait pu attendre, mais comme c'est là... J'ai un copain à l'université qui m'a raconté que... lui, il a eu 3 enfants avec une fille. Il avait 17 ans. Bon, un à 17, un à 18, puis un à 19. Il m'a dit qu'il étouffait, qu'il n'en pouvait plus. Il se sentait complètement coincé. Fait qu'un jour, il est parti. Il a laissé la fille toute seule avec les 3 enfants. Puis lui, il est retourné chez ses parents. Je sais pas si je dois trouver ça lâche ou courageux. Je vais te dire une affaire. Je suis bien content de pas être une fille. Parce qu'au fond, c'est elle qui se retrouve toute seule au bout de la ligne. Sais-tu pas quoi? Parce qu'on est des peureux. On prend pas nos responsabilités. Moi, je te dis, je vais prendre les miennes. Quand tu fais des flots, ben, ils sont autant à toi. Tu sais, ton chum, là, t'es un pissou, puis un égoïste. Puis moi, j'admire pas ça. Puis je sais de quoi je parle, parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai pris mes jambes à mon cou. Mais ça, c'est pas être un homme, ça. T'as bien raison. Puis en plus de ça, il m'a dit qu'il lui donnait même pas d'argent, hein. Comment ils font pour vivre ces enfants, hein? Et c'est pas facile. On a beau faire, mais c'est pas facile. Un conseil, contente-toi d'en faire rien qu'un pour commencer, puis après, tu verras. Qu'est-ce que tu prends? Dieu, t'as pas l'air dans ton assiette? Je suis déprimée, ma chérie. Tu peux pas imaginer. Mettons que c'est pas ma journée.
T'es déprimé. Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? C'est Pete. Ça me déprime au bout. On se parle presque plus. Je sais que c'est de ma faute. L'affaire de Gabriel, ça nous a pas aidés, mais... Moi, je voyais ça comme un test. C'est vrai, ça, dans les couples. Dans tous les couples, il arrive des difficultés. C'est ça, un couple, pouvoir se parler de ce qui s'est passé, puis ça nous rapproche, il me semble, en tout cas. Mais si c'est fini, vous devriez être capable de vous en parler. Là, c'est fini. Pas exagéré, là. L'autre fois, je suis allée dans la chambre de Gabriel. Cet été, je lui avais envoyé une lettre. Je lui expliquais ce que j'avais vécu, je voulais qu'il comprenne. Puis là, je suis allée dans sa chambre pour la déchirer, parce que j'avais peur qu'elle montre à Pete. C'est vrai, il aurait pu faire du chantage, je sais pas, moi. Mais du chantage avec quoi? Il y a rien eu entre vous deux. Là, mettons qu'il s'est rien passé, mais je peux pas dire qu'il y a rien eu. En tout cas, c'est bien compliqué. Puis là, Pete, il m'a trouvée dans la chambre de Gabriel, puis je pouvais pas lui dire pourquoi j'étais là. Puis là, on dirait qu'il me fait plus confiance. Pourtant, j'ai rien fait de mal, il devrait me croire. Mais pourquoi tu y as pas dit, tout simplement? Moi non plus, je te ferais plus confiance, tu sais. Ben là, dis-moi pas ça. Ce qui me fait le plus peur, là, c'est Roxane. Roxane? C'est qui, ça? C'est une réceptionniste. Une belle fille. Trop. Trop toute. Comme Pete les aime. Ou plutôt, comme il croit les aimer. En tout cas, ils sont allés à Barcelone ensemble, puis là... Puis là, je déprime au bout. Ça me fait peur, Hélène. Il me fait plus confiance. Puis s'il y a une autre fille dans le portrait, moi, je suis pas mieux que morte. T'exagères pas un peu, là? Non. Hélène, ça se peut-tu que la passion avec le temps... Ça se peut-tu que ça change? Que ça devienne un amour ordinaire? Ça change. Mais ça reste toujours beau. Mais il faut pas que ça change. Je suppose que Mademoiselle Corbeil te parle de ses malheurs. Monsieur va prendre. C'est qu'il y a, pourquoi tu m'as fait venir ici? Mais c'est déjà beau que tu sois venu, hein? Tu réponds jamais au téléphone. Mettons que pour donner signe de vie, toi... Je cherche du travail, Caroline. Tu pourrais comprendre ça. J'ai pas rien que ça à faire, moi. Hey, on sort-tu ensemble, oui ou non? Non, ça recommence. Fred, côté, tu niaiseras pas, là. OK? On se voit presque plus. Moi, je veux savoir où c'est qu'on en est. Caroline, arrête. On finit par me tanner. C'est pas de même qu'on a joué avec le monde. Ben oui, c'est ça. C'est de ma faute encore. Ben oui. Bon, mais c'est comme ça. Fred, je me pose des questions. Écoute, je t'aime, là, j'ai peur. Je trouve que t'as changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le sais pas. Tu capotes, puis je me demande bien pourquoi. Ben, j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Il y a rien qui a changé, voyons. Mais oui, tu t'occupes plus de moi. Tu penses, tu sors tout le temps tout seul. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu veux pas m'en parler? T'as tes études. T'as vraiment fait quelque chose d'extraordinaire pour arriver jusqu'ici. Je pensais pas que tu serais capable. Je suis capable de tout, il faut juste qu'on me fasse confiance. T'as plus besoin de moi comme avant. L'année passée, c'est pas pareil. C'était tout le temps après toi, fallait tout le temps que je te pousse dans le dos. Mais là, tu te débrouilles bien tout seul. Faut que je m'occupe de moi. Hey, t'étais pas avec moi rien pour m'aider, c'est pas vrai. Je t'ai prouvé là, que j'étais pas si bébé que tu pensais, j'ai fini mes niaiseries. T'es bien retourné au parc cet été? Mais... De même, pour me changer les idées, mais j'ai rien fait avec personne, puis j'ai rien pris, OK? Pas de don. La bière un peu, mais c'est pas bien grave. J'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un, Caroline, tu comprends-tu? Je veux bien qu'on continue ensemble, mais que je fasse mes affaires. Claude, tu vas faire ce que tu veux, là. Sors-moi, mène-moi dans. Si je sais pas, moi, j'en peux plus, je vois une petite fille modèle. Où je bouge? OK, c'est correct, je vais t'appeler. Dis-tu qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Faudrait que tu viennes habiter chez Louise. Ben, c'est vrai, il y a de la place. En plus, t'aurais plus d'argent pour toi. Non, sais-tu combien ça coûte aller rester chez Louise? La même affaire que dans ton petit appartement minable. Mais oui, là-bas, on mange bien. En plus, on pourrait être ensemble. Je suis très bien comme je suis. Chut que t'es dolle, toi, des fois. Non, André! Il faut qu'on avance. Si on reste comme ça pendant des mois, veux-tu bien me dire à quoi ça sert? Ben oui, on va piétiner, il faut foncer. Mais oui, mais là, ça va bien, pourquoi faire, là? Parfait, là. Solidifiez vos assises, attendez de voir la demande, puis après ça, vous ferez plus. Non, il faut qu'on fabrique. Là, je me suis remis au dessin, puis j'ai déjà plusieurs modèles en route. Si ça continue, j'aurai besoin d'aide.
Mais là, vous avez pas les moyens d'engager un employé. Marc-André, regarde les chiffres. Oui, mais est-ce que ça va durer, ça? Oui. Non. Il faut attendre. Ben oui, c'est ça. Puis là, on va dire aux boutiques, excusez-nous, on n'a plus rien. Hé, hey, ils vont prendre quelqu'un d'autre? Mais t'es mieux d'en manquer que d'en avoir trop. Oh, Marc-André, tu peux-tu être plate, toi, des fois? Ça marche, faut continuer. C'est une erreur. Je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Il faut faire des photos. Oui, c'est le même qui marche, les autres. Comme ça, les boutiques vont pouvoir acheter en regardant le magazine. Ça va coûter trop cher. C'est un investissement. C'est du gaspillage. Ah! Tu connais rien là-dedans. Bon, OK, tu peux nous aider, mais t'as pas le droit de nous arrêter. Bon. Marc-André, si t'es pas d'accord, là, t'as juste à laisser tomber. On n'a pas la même vision des choses en affaires. Ça arrive, c'est correct. Regarde les chiffres, là. On a vendu pour... Ce mois-ci, est-ce que ça va continuer, ça? Parce que si ça marche pas, là, c'est fini, la compagnie, hein? Ben, j'en ai reçu d'autres commandes pour ton information. Chaton, j'essaie de vous empêcher de faire une erreur monumentale. Hein? Des gens qui font faillite, j'en vois tous les jours. J'étudie là-dedans, je connais ça, là. La plupart du temps, c'est des gens qui ont vu trop gros, trop vite. Mais on voit pas trop gros. On est réaliste. Là, là, on va répondre aux demandes. On va faire une brochure. On n'achète pas un grand magasin, quand même. Bon, eh bien, moi, je vote pour. Ah, on a la majorité, c'est décidé. On fait comme on a décidé, Alex et moi. Tu veux-tu me repentir? Non, je peux bien. Mais tu dis rien à Louise, OK? Je suis très bien comme je suis, là. Caroline! Qu'est-ce que tu fais là? Il est presque 3 heures! Mais voyons, t'es dommage énervé, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es pas au courant, toi. Viens avec moi, m'expliquer. Caroline, j'ai un plan, j'ai besoin de toi. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une visite de la maison aujourd'hui. Il faut empêcher que ça se vende. Hey, oui, je te suis. Moi, j'en ai des idées. C'est beau. Ben, viens, explique-moi ça en marchant. OK. Caroline? Hey, come on, t'es des niaises. Bonjour. Comme Mme Champagne a dû vous le dire, c'est une pension. Alors, à cette heure-ci, la plupart des jeunes sont rentrés du cégep. Oui, je l'ai déjà prévenu. Monsieur Labelle, Mme Leblanc. Enchantée. Vous allez voir, c'est une maison en très bon état. J'ai toujours fait ce qu'il y avait à faire quand c'était nécessaire. Il y a 10 ans, j'ai transformé le triplex pour en faire une seule habitation. J'entends frapper! Commencer la visite, on reviendra dans le salon plus tard. C'est une très bonne idée. Suivez-moi. Que tout n'est pas terminé. Je suis heureux d'apprendre. Tout n'est pas terminé. OK, là, tout a l'air de marcher comme prévu. Là. Quand tu vas être dans le salon, Julien va jouer quelque chose de doux, OK? Tu te rappelles ce que t'as fait? Inquiète pas pour moi, tout va bien aller. Bon. Okay. Fred, tu viens dessus, toi? Bon, moi, je commence par la salle de bain, c'est ça? C'est ça, oui. Puis t'en mets, là, hein? Oh, je suis énervée. Hey, Chloé, t'es sûre que c'est la seule affaire à faire, là, parce que... Oh, oui, fais-moi confiance, OK? OK, vas-y. Bon... Peut-être pas d'accord, hein, c'est ça? C'est pour ça, là, vous faites cette tête, là? Écoute, Chloé, ça n'a pas d'allure. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que vous allez faire, là? C'est plus de votre âge, ça. Hey, vous vous rendez compte de rien, vous autres? C'est vous autres qui comprenez rien. C'est nous autres, là! Les vrais enfants. Chut. Surtout Caroline. Chloé est pas tellement mieux, hein? Ouais. Comme je vous le disais, la cuisine a été entièrement rénovée et la plomberie également. Oh, Louise, t'entends rien? Non, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, 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 c'est encore la salle de bain. Hey, on va finir par se noyer, hein, tu vas voir. Voyons, de quoi tu parles? Ça doit être quelqu'un qui prend sa douche. Mais non, écoute, quand c'est le même bruit que l'autre fois. Je te dis, ça fait 4 fois que le plombier vient, ça se réparera jamais, jamais, Mmh! Oh, peut-être que c'est pas le moment, hein? Bonjour. Je vais aller voir ça tout à l'heure, d'accord? Louise! Louise! J'avais une souris! J'avais une souris! Oh!
mort! Une souris? Voyons donc, on n'a jamais eu de souris dans la maison. Ah, je t'ai dit, grosse comme ça! Ah! Gros comme ça, c'est un rat, hein? C'est pas une souris. Ah! Ouais, je vais en trouver, il est parti vers l'étage des gars. Bon, je vais m'occuper de ça tantôt. Une souris, tu dis, hein? Écoutez, je pense qu'ils nous jouent un tour. Vous savez comment sont les jeunes? Ils veulent pas que je vende, alors il faut pas s'occuper d'eux. Il y a ni souris, ni problème de plomberie. C'est vrai, j'ai fait le tour moi-même. J'ai jamais vu une maison en aussi bon état. C'est une blague. Une très mauvaise blague. Mais on va en faire pour vrai. Hey, vous fougez avec la lampe à sonne. Pour moi, marche pas. Hey, c'est ça, on va se faire mourir. OK, vas-y. Louise, la feuille de poignée dans la cuisine. Excusez-moi. Il y a pas le feu, c'est... C'est juste un poêlon. Mais voyons, ça arrive tout le temps. Pourquoi tu fais semblant, là? Ah, oh, parce que monsieur veut acheter la maison. Ben, monsieur, vous seriez notre sauveur. On va bien finir par passer au feu ici. Ou bien donc, on va se noyer. On entend-tu l'eau couler ouais. Comment? J'ai ouvert une fenêtre, c'est rien. C'est correct, j'ai fermé le robinet. Écoutez, vous reviendrez une autre journée quand ils seront pas là. Moi, je vais vous téléphoner pour vous expliquer ce qui se passe. Pas de problème. J'ai trois adolescents à la maison. Mm-hmm. Puis, y avait-tu assez de boucanes? Sont-ils partis, là? Vous l'avez fait exprès. Vous m'avez fait ça à moi. Oui, je suis pas arrivée assez vite. Je vous le pardonnerai jamais. Jamais, vous m'entendez? Attention! Il y a de la boucane! Fini? Oui. Fait beau, là. T'as tenu faire un tour de... À pied, si tu veux. Come on! Écoute, moi, à pied, toi, sur ta trottinette de bord, ça marche-tu, ça? Tu vas voir, tu vas aimer ça. Écoute, Pete, tu fais ce que tu veux. Bon, moi... ça va recommencer, là. Tu plains qu'on fait pas un vrai couple, puis rien qui te tente. Tu peux bien faire un vieux couple, puis rien qui t'intéresse. Un couple, c'est autre chose. Excusez. Ben non, là, c'est fermé, là. Il faudrait que vous alliez voir Louise. Ils ont fait une gaffe, eux autres, là. Elle va pas très bien. J'y vais. Ils qui sont têtards. Attends-moi, j'y vais, moi aussi. Attends-moi! Je vous l'avais bien dit que ça avait pas de bon sens. Hein? Ça a marché, là, hein? C'est ça qu'on voulait. Mais vous avez rien compris. C'est vrai qu'elle vous pardonnera jamais ça. Puis elle m'avait même dit que si elle vendait la maison, là, ben elle la laisserait pas partir avant la fin de l'année. Ah, oh, ben moi, je pensais que... Non, ben là, Chloé a raison, là. Fallait pas prendre de chance, c'est tout. On était idiots. On était des vrais enfants. On n'avait pas le droit de faire ça. Chloé, tu nous avais pas dit ce que tu voulais faire. Ben oui, mais si je vous l'avais tout raconté, là, vous auriez pas voulu. Oui, on avait le droit de tout savoir. C'est sûr qu'on n'aurait pas voulu. Jouer de la musique pour empêcher qu'ils s'entendent, c'est drôle, là. Mais c'est pas censé empêcher une vente, ça. Plus débile que ça, la tumeur. Ben, moi, je suis contente, OK? Puis je vais y expliquer à Louise, elle va peut-être comprendre. Comprendre? Oui, donc, Chloé. Oh. En tout cas, moi, je suis pas bébé fière de moi. Mais moi non plus. On devrait s'excuser. Mais come on, elle va s'en remettre, là, hey! Oh. Si c'est comme ça, tu seras aussi bien de laisser tomber, on s'entendra jamais. C'est ça. Faites vos erreurs toute seule, là. Puis après, ça sera bien le temps de venir pleurer sur mon épaule. Bon. Marc-André, prends pas ça comme ça. C'est pas grave, on n'a pas la même vision des choses en affaires. Ça arrive, c'est pas plus grave que ça. Moi, je fais ça pour vous aider, hein? Mais si c'est pas ça que vous voulez... On rentre-tu, là? Je suis fatigué. On rentre si tu veux.
Mais t'oublie pas notre entente. Passer le seuil de la porte, on parle plus de travail, OK? C'est correct. C'est oui! Elle est où? Elle est dans la cuisine. Chut, qui sont épais des fois, eux autres. Épais? Sans cœur, oui, des voyous. Est-ce que je leur ai fait pour mériter ça, et moi? Quoi? Je méritais pas ça, là. Va-tu revenir, le gars qui voulait voir la maison? Je le sais pas. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Des souris, le feu, dans ma maison. Et sans cœur, oui. Moi qui voulais les garder. Moi qui me sentais coupable. Ben, c'est fini, la culpabilité. Ils ont en série de moi. C'est comme si j'avais pas de vie, hein, moi. Ils se foutent de tout, hein. De Charles, de mes projets. Et tu peux être sûr que je leur pardonnerai pas. Je pense que... ils sont mal à l'aise, hein. Ils parlent pas fort à côté. Ben, tant mieux. Qu'ils se sentent coupables. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire rater mon mariage puis gâcher mon avenir. Ben non, là. Ils ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez. Tu sais comment qu'ils sont? Ils ont eu peur. Peur? Peur de quoi, hein? De l'eau? Des souris? Du feu? Ils sont légers dans une maison convenable, puis ils sont chanceux, je prends soin d'eux. Comment ils me disent merci, hein? Comment? Et des souris. Puis tu trouves ça drôle? Ben, je te félicite pas. À mon au moins, ils ont de l'imagination. Il y a de ça, oui. T'aurais dû voir la tête du monsieur, là. Je me rappelle plus son nom, puis l'agent d'immeuble, elle aussi, elle voulait mourir. La tête à toi, là, elle devait être pas mal non plus. Je trouve ça drôle. Trouver ça drôle? Me faire insulter de même? Hein? Tu dois voir leur tête, ils ont le menton dans leurs souliers. Mais tant mieux! Ah, man, viens voir, viens leur parler, viens voir leur tête, c'est à ton tour de rire. Bon, ça, oui, j'ai envie de rire de leur tête. Et oui, je leur en veux. T'aurais dû voir ta sœur sortir de la cuisine d'un nuage de fumée. Du cul. Puis l'autre, là, qui racontait n'importe quoi sur la salle de bain, puis les souris. Julien qui chantait en perdre la tête. Là, des fous, je te dis. Oh, Anna. Oh, elle rit. J'ai pas envie. Eh oui. Des souris. Grosse comme ça. C'est trop grave ce qu'ils ont fait. Trop méchant. OK. Pardonne-leur pas. Va le chialer après. Go. Mais ris. Juste pour toi. OK? T'es fou. T'es fou. Et j'ai eu honte. Bon, j'ai une idée. On va se venger. On va le sacrer une raclée. Puis je m'en vais t'aider. OK?
m'excuse. Excuse-toi pas, franchement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La photo reste. Ah bon? Bonjour. Salut. Salut. Leur as-tu parlé? Pas encore. Puis je leur dirais quoi, hein? Tu vas pas te laisser faire. Louis, si tu fais pas quelque chose, ils vont te marcher sur la tête. Tu te rends compte, inventer des histoires pour que la maison se vende pas, je trouve pas les paroles pour dire ce que je pense. C'est un malentendu. Ils étaient inquiets. S'il te plaît, Louise, trouve-leur pas d'excuses. Je sais. Mais qu'est-ce que je peux faire, hein? Les mettre en pénitence, voyons donc. Ben, on aurait dû suivre notre plan. Le plan? Une idée qu'on a eue pendant l'été. Mais tu sais bien que c'était irréaliste. Est-ce qu'il est revenu visiter la maison? Non. Puis c'était trop grand, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ça se vend jamais? Est-ce qu'on va continuer de vivre chacun de notre côté comme ça? Mais ça va se vendre. C'est juste une question de temps. Bonjour. Hé, hey, de visite. Bonjour, Charles. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Louis, j'ai pas le temps de déjeuner. Je vais acheter quelque chose en passant. Salut. Hé, hey, tiens, prends ça au moins. Attends une minute. Allez. Tiens, merci. Jusqu'à maintenant, tu te débrouilles pas mal, hein? Ben, le problème, c'est de tout comprendre. Bon, je lis les journaux, je suis l'actualité, là. Mais il y a des fois, là, où je sais même pas de quoi ils parlent. Je me rends compte que je m'occupais pas bébé de ce qui se passait dans le monde. Ouais, ça sera pas long, tu vas tout comprendre. Écoute, là, c'est sûr qu'on peut pas tout savoir, hein? Ben, l'important, c'est que j'aime ça. Je pensais que j'étais une fille gênée, là, mais ça a pas l'air. Ou ben donc, ma gêne me sert, là, mais quand j'ouvre le micro, c'est comme s'il y avait une autre personne qui vivait en dedans de moi. Ça fait drôle. Ben, tant mieux si t'aimes ça. Tant mieux. Chloé, t'as pas parlé à Louise encore, hein? Pourquoi? Ben... pour m'excuser. Écoute, là, c'est de sa faute, toute histoire-là, OK? Elle s'est pas bien expliquée. Elle a jamais dit qu'elle attendrait qu'on ait fini l'année, OK? Chloé, t'es pas correct. Tu devrais aller la voir, toute seule. Je le vois bien que tu l'évites, là. Mais c'est pas correct, vraiment pas. OK, OK, oui, bon, c'est correct. OK, je vais y aller y parler. Bon. De quoi tu parles? Allô? Allô? Est-ce que je dérange? Non. Gars, j'ai un cours, là. On va se voir plus tard? OK. Bye. Bye. Non, mais je voulais pas te déranger. Hein. Non, c'est pas grave. De toute façon, il était parti me faire la morale. Hey! Attention! Right. Ouais. Salut. Merci. Elle était partie pour te faire la morale, Fanny? Oui. Je suis pour son tout après moi, là. Même que j'aille voir Louise, tu vois, genre. Et tu l'as pas encore fait? Oh non, pas toi, avec. Merde, pas toi! T'es-tu allé pour les mêmes? Oui. Écoute, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. T'es en bon état, hein? Écoute, je veux bien acheter de l'usager, mais il faut pas que ça paraisse, là. Non, c'est bien, hein? C'est bien. C'est sûr, c'est pas neuf, hein, mais c'est bien, hein? Écoute, Louis, on peut quand même pas être trop difficile. Hein? C'est déjà formidable que ma mère ait trouvé cette annonce de meuble usagé. Ouais, c'est formidable. Bon, qu'est-ce que t'as, là? Hein? Y'a jamais rien qui fait ton affaire, toi. Non, c'est parfait. Écoute, si tu dis que c'est bien, c'est parfait. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Voyons, je fais pas de tête, là! Écoute, là, moi, je fais ce que je peux pour t'aider, là. Je cours les ventes de garage, je trouve des meubles, des vêtements. Je m'informe sur tout, les biberons, les couches. Non, mais si ça va pas, tu me le dis, et puis j'arrête, hein! Non, là, fais pas ça de même. Je peux plus rien dire, moi. Parfait. Oui. Je peux prendre votre numéro de téléphone?
Mm-hmm. Parfait, monsieur. Elle va vous rappeler. Au revoir. Hey, refais ça. Même ça, ça le fait pas comme les autres. Arrête, tu me gênes. Mais comment, je suis sérieux, là? Puis, du coup. Une autre fois. OK, là? Ça suffit. Bon. Qu'est-ce que tu fais? As-tu le temps de prendre un café? Rien de spécial, moi. T'as pas de cours? Ah, comment, il y a rien là? C'est un cours, là. Ah, non. Moi, là, les seuls cours qui m'intéressent, c'est la photo, puis ça avec, j'en ai mon casse. Fait que le cégep, puis tout ce qui va avec, j'en ai mal au cœur. Ouais, ça me surprend pas. Ça fait combien de temps que t'es ici? C'est tellement longtemps que je me rappelle même plus de ma première journée. Il y en a même qui pensent que je suis un prof, fait que c'est weird pas mal. Et puis, si tu continues à prendre ton temps, là, penses-tu que ça va s'améliorer? Pauvre vieux. Tu devrais finir ça au plus vite. Moi, à ta place, ça fait longtemps que je ferais d'autres choses. Avant, je savais pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que je suis resté longtemps au cégep. J'ai changé d'idée souvent. Maintenant que tu le sais, tu devrais régler ça vite. Si tu prends tous les cours dont tu as besoin en même temps, en une session, t'as fini. Encore au cégep à ton âge. Fais pas très sérieux, hein? On a le même âge, mais moi, je travaille. J'ai même déjà ma voiture. Ah ouais, j'ai une moto, moi. Pas une question d'autre. C'est drôle. Je sais pas quel genre de vie t'as mené. Des fois, on dirait que t'as 10 ans de plus que moi. D'autres fois, j'ai l'impression que tu t'es arrêté quelque part à l'entour de 12 ans. Puis que t'arrives plus à décoller. Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Fait que t'es encore loin de la réalité. Allez, vas-tu prendre un café? Si tu veux. Entrez. Ah. Ben, c'est toi. Non, je suis pas capable, je suis trop énervée. Pis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça marche-tu ou ben quoi? Ça marche, tu peux rester ici. Le psychologue a recommandé qu'on te fasse passer tout de suite au cégep. Ouais, mais si tu penses que c'est un cadeau qu'ils me font, là. Ils voulaient rien que se débarrasser de moi, je leur faisais trop de troubles. Ils étaient ben trop contents quand que le psy s'est mêlé de ça. Tu as réussi tous les examens, c'est ça qui est le plus important. Mais heureusement que tu avais déjà plusieurs cours en secondaire 5. Ouais, mais c'est là que j'aurais dû être, hein, si j'avais étudié. C'est pour ça que j'avais une couple de cours de fait. Mais en tout cas, pour les examens, là, je suis sûre que je les ai pas réussis tout seul. Les profs avaient ben trop peur, je retourne dans leur classe. Oh. Peut-être. Mais l'important, c'est que tu aies ton diplôme de secondaire 5. C'est pas brillant, brillant, là, mais c'est au moins ça. Il va falloir que tu fasses des efforts ici, Caroline. C'est tes notes qui vont ouvrir les portes de l'université. L'université? Voyons, tu rêves, toi? Je fais mon bout, mais faudrait pas trop m'en demander. Je vais finir waitress anyway, fait que... Oh, Caroline, il y a tellement de métiers. Bon. Regarde ici, je t'ai apporté un livre. Regarde là-dedans. Je suis certaine que tu vas trouver quelque chose qui t'intéresserait. Bibliothécaire, shit, je me vois pas là-dedans. Moi, j'aurais jamais assez de patience. Je te le prête. Prends bien le temps de le regarder. Ah, merci. Je suis bien contente d'être ici. Merci bien pour ce que t'as fait. C'est rien. Bonne chance. Mes parents, ben, je dirais bien ça, là. Mettons, j'en ai pas eu. Comment ça? Ma mère était tout le temps malade. Elle a des problèmes de médicaments. De drogue, si on veut. Elle peut pas s'en passer. Elle a suivi des cures de repos, là. Je sais bien que c'est pas de sa faute, mais j'en ai toujours voulu. Tu vas se sentir tellement coupable. Coupable. Passé straight pour ça. Puis quand Caroline est arrivée, je pense que ça a été trop pour elle. Elle s'en est jamais occupée, puis mon père non plus. Moi, j'ai bien essayé, là. Mais j'en ai voulu à Lucie. Mon père, lui, ben, il bouait. Point qu'un peu, là. C'est comme je te dis, des parents, je n'en ai pas eu. Il n'y a qu'une couple d'adultes qui sont passés chez nous par bout.
Ça doit être difficile. Je sais pas. Quand t'es ticu, je pense que c'est le même pour tout le monde. Ça a pris un bout avant que je découvre que tous les parents étaient pas comme les miens. Ben moi, c'est tout le contraire. J'ai une mère qui est bien, bien fine. Elle a toujours été disponible, active, dynamique. Même que des fois, je la trouve un peu collante. Mais pas grave. Puis mon père, c'est vraiment le genre de père que tout le monde rêverait d'avoir. Si jamais je me marie un jour, je veux que ce soit avec un homme comme lui. Je suis vraiment le cas de la fille qui cherche son père. Il est mort maintenant. Je pense souvent à lui. Je sais qu'il est quelque part avec moi. Ce qui est beau, là, c'est que t'es heureuse. T'as tout le temps été heureuse. C'est pour ça que tu souris tout le temps. Et toi, t'es pas heureux? C'est pas vrai. Je pense que oui. Mais je sais pas, il me semble que... Un peu plus. Si tu traînais pas encore dans les corridors du cégep, ça t'aiderait sûrement. Ça aide bien. Je t'aurais pas rencontré. Ça changerait quoi? Moi, il me semble que des fois, ça pourrait changer tout. Ton sourire, là. On dirait qu'on peut plus s'en passer. Depuis que je te connais, il me semble que le monde qui sourit pas, je suis plus capable. C'est pas difficile d'être heureux. Il suffit d'arrêter de s'en faire avec des niaiseries. Prendre la vie avec un grain de sel. Moi, je suis pas capable. J'ai pas appris. Oh! Ça s'apprend pas. Faut essayer. C'est tout. Bon, il faut que j'aille. Hey, hey, reste au moins 2 minutes encore. Ah, j'ai pas le choix. Je travaille. À bientôt. À bientôt. C'est vrai, comment tu vas faire? Tu vas pas livrer ça toute seule jusqu'à Laval? Ben, il faut bien. En autobus? Alexandra, ça n'a pas de bon sens. Faut trouver quelqu'un pour t'aider. Mais je me débrouille, là. Ah, je vais demander à Marc-André de venir. Mais non, laisse faire, c'est pas la première fois. Je vais aller t'aider d'abord. Non, Geneviève, laisse faire, t'es occupée, ça va aller. On est mal organisé, c'est ça la vérité. L'atelier est trop petit, toi tu fais tout. Moi, je peux pas t'aider, je connais rien en couture. Et en plus, tu tapes toutes les livraisons. Faut trouver quelqu'un, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de s'organiser en tout cas, parce que si on continue comme ça, là, on y arrivera plus dans un mois. Bien, on y pensera dans un mois. Ouais. Parce que là, Marc-André a raison. On n'a pas d'argent. Tu sais, on en attend, mais j'ai bien regardé ça, on peut pas payer quelqu'un chaque semaine. Il faudra attendre que les paiements rentrent. Puis dans ces conditions-là, on peut pas engager quelqu'un. Mais quelqu'un qui a pas de travail, là, serait très content d'un arrangement comme celui-là. Oh, faut trouver quelqu'un pour t'aider, c'est ça le plus important. Hey, regarde-toi, t'as de l'air de mulet, là. Hey, tu vas attendre des heures avant qu'un autobus arrive. Non, il y en a un dans 5 minutes. Ben voyons, attends! Bye, puis tu fermeras la porte à clé. Justement, je voulais te voir. Moi? Mm-hmm. Pas pour me demander de t'aider à peinturer, j'espère. Je suis vraiment pas bon là-dedans. J'ai pas de félicitations à te faire, Julien, surtout à toi. Il me semble que celui qui est le plus intelligent ici, c'est toi. Enfin, je pensais. Qu'est-ce que j'ai fait? Toute cette mascarade là, pour pas que la maison se vende? Mais ben, Julien, je comprends pas. Écoute, je savais pas moi ce qui se passait. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de jouer du piano. On voulait un peu déranger, là. Mais il y avait rien de mal là-dedans. Et pour le reste, là, c'est pas à moi qu'il faut que tu parles, c'est à Chloé.
T'aurais pu les raisonner, non? Hein? J'en viens pas. J'ai honte pour vous. OK, c'était pas l'idée du siècle, là, je suis d'accord. Ça, je l'ai dit à Chloé. Puis j'ai tout expliqué à Louise, on s'est excusé. Comme si des excuses suffisaient. Hein? Bon, si je connaissais un acheteur, là, ça me ferait plaisir, mais j'en connais pas. Puis en plus, t'étais pas là hier soir, tu viens juste d'arriver, tu sais pas ce qui s'est passé. On est allé voir Louise, Hélène et moi. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On lui a expliqué, on s'est excusé, on regrette vraiment. Tu demanderas à Louise. En tout cas, si tout pouvait être tranquille ici, là, ça irait pas mal mieux. T'as absolument raison. Mais comme je te dis, c'est pas à moi qu'il faut que tu parles. C'est à Chloé. Anna! C'était la première partie de Chloé en liberté. Revenez à 2 h. Et d'ici là, n'oubliez pas l'actualité avec Fanny Grégoire. Et toute la semaine, un spécial avec Chloé en liberté de 10 h à 11 h 30. En plus de l'émission régulière de 2 h à 4 h. Pour terminer, on se laisse sur une chanson de Rude Luck. À plus tard. Ça va pas? C'est qui? Ouais. T'en fais trop, tu vas prendre soin de toi. Je fais juste ça, là. Je travaille plus au garage. Il faut que je me sente utile, sinon. Oui, mais Étienne s'occupe pas de toi. Ah ouais, tout le temps. Trop. Pas assez, je sais plus. Tu sais, il voudrait que je trouve tout ce qu'il fait génial. Le pire, c'est qu'il a raison. Il l'est. Comment tu te sens? Ça doit faire drôle, hein? Ouais. Je sens la vie en moi. Je suis jamais toute seule. Si je touche, est-ce que je vais le sentir? Ah, ben oui. Viens. Viens mettre ta main. Juste là, regarde. Ici? Ouais. T'as jamais pu faire ça pour ta fille? Jamais. Je suis parti trop vite. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Ton bébé, est-ce que tu l'aimes déjà? Oui. Je pense, oui. Tu sais que c'est comme mon secret à moi, c'est juste à moi. Des fois, j'ai peur. Mais des fois, j'ai hâte. Ça dépend. Moi, Lydia, je l'aimais pas. C'est comme si elle avait fait exprès pour venir gâcher ma vie. Et quand je l'ai vu, j'ai bien vu que ça avait pas de bon sens. Un petit bébé tellement petit, ça peut pas te faire de mal. Et ça a été comme un coup de foudre. Mais moi, j'ai bien hâte de l'avoir, ce coup de foudre-là. Voyons, là. Qu'est-ce que tu parles? Oui, mais des fois qu'il dirait quelque chose. Hey, il parle, là. Chloé. Le problème, tu vois, c'est qu'elle est jamais contente, hein. Ah non, jamais. Moi, je fais tout, hein. Ah, t'exagères pas un peu, là? Mais tu me crois pas? Mais je fais tout, je te dis. Je fais mon possible pour que les choses soient comme il faut. Je cherche des meubles et des vêtements pour le bébé. En même temps, je lui prépare une chambre à elle. Parce qu'elle va pas rester ici éternellement, hein. Ah ben non, il va bien falloir qu'elle ait un endroit. À elle. Eh bien, à chaque fois, c'est la même chose. La tête qu'elle me fait, hein? Elle a toujours eu du caractère. Mais j'ai toujours aimé les femmes autonomes, ça, c'est merveilleux. Ah non, 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 non! C'est pas ça, le problème. Si seulement elle pouvait me dire merci, hein, des fois. Eh ben non. Et rien. Bref. T'es pas heureux. Oh, ben... Merde, si seulement elle faisait un effort, hein? Mais peut-être qu'elle est pas d'accord avec ce que tu fais. Alors qu'elle le dise, qu'elle arrête de me faire la gueule, qu'elle me dise, Étienne, c'est pas ce que je veux. Tu penses pas que c'est à elle que tu devrais dire ça? J'ai essayé de lui parler, mais... Je sais pas, elle dit que ça va, que tout est parfait.
Mais moi, je pense que ça ne va pas. Hein? Oh. La tête qu'elle me fait, alors. Oh, oh là là! Bon, ben c'est un bon sujet pour mon émission de radio, ça. Merci beaucoup. On se revoit jeudi. Bye, à la prochaine. Alors, fais l'ami de Pete, hein? Quel ami? De quoi tu parles, là? Ben, Roxane, il était ici tout à l'heure. Elle a l'air vraiment sympathique. Tu l'aimes pas? Il était ici. Ben, coudonc, faut pas gêner, hein? Oh, ben quoi, il faisait rien de pas correct. Ben non, elle arrête pas de se coller après, c'est une vraie sensu, moi, des filles de même. Ça a l'air bon, je vais t'en prendre un. Mais Fanny, fais donc attention, t'attends. Regarde comment vous êtes. Quelqu'un te demande un chocolat chaud avec de la crème fouettée, tu trouves ça normal, hein? Mais moi, c'est pas normal, c'est ça? Bon, ben mettons que j'ai rien dit, hein? Bon. Parce que je suis grosse, on remarque tout ce que je commande. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit à une gâterie une fois de temps en temps? Je mange autre chose qu'une carotte, là, on dit, là. Regarde comment c'est, Bon, t'en veux un? Je vais t'en faire un. Moi, c'est juste pour toi que je disais ça. Pour moi? Hey, je t'annonce qu'on regarde qu'est-ce que je mange. J'aimerais ça pouvoir manger, là, sans qu'on me juge, sans qu'on me dise que j'ai aucune volonté. Hey, y a du monde qui a plus de compassion pour les drogués puis les alcooliques. Mais moi, j'ai juste un problème de métabolisme, là. Puis on me dit que je manque de volonté. C'est vraiment pas juste. Bon, ça va, j'ai compris, là. J'ai vraiment pas la tête à ça, hein? Tu fais ce que tu veux. Puis on mangerait moins en cachette si on pouvait manger comme du monde, là. Mais en plus, le pire, c'est qu'on s'attend à ce qu'on mange. Ben moi, il y a des fois que j'ai très faim, puis il y a des fois que j'ai pas faim du tout. Puis regarde mon frère, là, il se défonce l'estomac, puis il est comme... Pis comme pis, tiens. Bon, là, c'est parce que j'ai la tête comme une montgolfière. Moi, tu comprends-tu que c'est deux aspirines que ça me prendrait? C'est fait que je vais te faire ce que tu veux, puis ça va bien aller. Laisse faire. Tu m'en as complètement enlevé le goût. Mais c'est fin. C'est toi? Qu'est-ce que tu veux savoir, ma tante? Ben, comment tu vas? Le boulot? Est-ce que t'as repris ton travail d'entretien? Oui. Ah ouais, ça va, je te l'ai dit tantôt. J'ai rien à dire. Lydia, elle doit avoir grandi. Oui. Surtout depuis qu'elle va en garderie. On dirait qu'elle fait plus de choses. Elle a commencé à parler à le même petit papa. Nathalie a dit qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais ça se peut pas. Elle voulait entrer en communication avec toi. Oui, c'est ça que je pense. J'aimerais ça la voir plus souvent, mais c'est pas possible. Il faudrait que je retourne vivre à Rimouski. Ben pourquoi pas? Maintenant que les choses se sont placées, tu pourrais y retourner, non? Je peux pas. Mais pourquoi? À cause de l'eau, là. Oh, t'as pas mis une croix là-dessus, Gabriel. Il faut que je reste. Je le sais qu'elle va avoir besoin de moi. Puis il y a Chloé. Je peux l'aider. Je peux faire avec elle ce que j'ai pas fait avec Nathalie. C'est fêlé, mais c'est de même. Tu veux-tu savoir d'autres choses? Tu penses jamais à toi? On dirait que tu fais toujours tout pour les autres. Ou bien c'est le contraire, tu fais tout ça rien que pour toi. Il faudrait que tu apprennes à donner et à recevoir. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là. Touche-moi pas, OK? On sait jamais quand t'es sincère ou quand tu l'es pas. Quand t'as dit que je te plaisais, je t'ai dit ça à Charles, tu te souviens? C'est une blague, hein? C'était pour le choquer. Charles, c'est un stool. Pourquoi tu me plairais pas? T'es belle. T'es libre. T'as de l'expérience, puis tu fais pas ton âge. Moi, je te trouve pas pire, fait que... C'est gentil. Mais moi, ça me choque pas du tout, tu sais. Je pense que je commence à comprendre ton petit jeu. T'avais ton petit air épais, là, les deux yeux dans la graisse de bine. Je peux prendre un café avec personne. Un café? De la poutine, tu veux dire, tu fondais comme du fromage, mon pauvre grand frère. Pff, Caroline.
Arrête tes niaiseries, t'as passé l'âge, non? C'est un genre de fille, hein, ça, ça se voit tout de suite. En plein genre à te faire rêver. Là, tu t'imagines que t'es quelqu'un, mais regarde-toi. Mais là, ça suffit, all right. Mets toutes tes affaires, pas pas d'histoire, OK? Anyway. C'est ça. Anyway. Ah, il est parti. Tu pensais pas qu'elle allait t'attendre quand même? Je cherche une fille. Non, puis t'es parti. Faut pas rêver, là. Pas du tout. Écoute, ma petite chérie, je vais être bien correcte avec toi, je vais te dire quelque chose. Pete, là, les filles naïves comme toi, ils aiment ça beaucoup, beaucoup. Ils niaisent un petit peu, puis après ça, ça le fait rire. C'est fait qu'imagine-toi rien, t'auras rien de lui. Moi, à ta place, là, j'irai voir ailleurs, puis je ferai de l'air. Hein? Mais je cherche Manon. La connais-tu, Manon Robert? Manon Robert. Mm-hmm. Bon, écoute, cherche-toi pas d'excuses, là. Moi, c'est ton bien que je veux. Si je te dis ça, c'est pour pas que t'aies de la peine. Je suis certaine qu'il a dû te dire que t'avais des beaux yeux, il a dû te parler de ton sourire, tout ça. C'est son truc, ça. Il joue le bum romantique, c'est son personnage préféré. Ah! Excuse-moi, là, mais tu te trompes complètement. Ça, ça me surprendrait beaucoup. Laisse-moi parler. S'il te plaît. Pete, il m'intéresse pas du tout. Il est bien gentil, là, mais c'est vraiment pas mon genre. OK? T'as pas à être jalouse, tu peux me croire. J'en veux pas de ton chum. Correct? Qu'est-ce qui se passe? Je la déteste. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, mais regarde-la. Si elle s'imagine que je vais lui laisser la place, non, madame. Des filles comme elle, j'en ai vu d'autres, hein? Peu. Lola, commence pas. Tu t'énerves pour rien, là. Sois pas méchante. Je l'ai, j'y peux rien. Rien qu'à la regarder, je me sens mal. Ça arrive, ça, des fois, on n'y peut rien. On regarde quelqu'un, puis le cœur nous lève. C'est comme ça. Tu vois, avec Roxane, c'est la même chose. Elle me lève le cœur, j'y peux rien. Non, il n'y a rien qui marche, si! Attends, là, on va t'aider. Ça marche pas, ça! Attends. Ça marche-tu? Ouais. Hey, Lola! Là, je pensais à quelque chose, là. Si on invitait... Si on invitait Roxane, ça serait cool. On va parler de l'Espagne, j'ai bien des diapos à lui montrer. C'est rien. Si elle rentre dedans la maison, moi, je sors avec mes valises. C'est-tu clair, ça? Qu'est-ce qui te prend? Non, mais là, là, ça va, hein? Roxane au déjeuner, Roxane à la piscine, Roxane en bateau, je l'ai assez vue, là, mettons. C'est chez nous. J'invite qui que je veux. OK. T'invites qui tu veux. Mais moi, je sors. Tu me la feras pas, celle-là, puis elle te tourne autour, c'est une greluche. Hey! C'est la reine des greluches. On va quand même pas se taper un souper en tête à tête avec une photocopieuse. De quoi tu parles, toi, là? Roxane, là, c'est mon amie. T'étais pas là en Espagne, tu sais pas ce qui s'est passé. Moi, je veux l'inviter. Justement, j'étais pas là. Tu penses que ça me tente d'entendre parler d'une place que j'ai jamais vue? Bon, mais c'est décidé. Je l'invite. Tu fais tes valises si tu veux. Mais comment ça, rien? Là, c'est pas un parc ici. On relaxe, fille. Ben, ça va être un café de bar. Ben, un café, si tu veux. Tu devais pas laisser Lola tranquille, toi? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est pas là, Lola. Je voulais te dire. Je suis allée chez Lola l'autre jour chercher quelque chose, puis je suis tombée sur une lettre. Une lettre que t'avais écrite, fait que je l'ai gardée. Tu sais, faudrait pas que mon frère voie ça. Quelle lettre? Comment ça? Y a rien. Donne-moi ça. Ben non.
Si je l'ai prise, c'est peut-être parce que c'était mieux que ce soit moi qui l'aille. Niaise-moi pas, il n'y avait rien dans cette lettre-là. Des mots d'amour, c'est pas rien, t'sais. Tu l'aimes-tu encore? Ah. Elle a pas l'air à taire non plus. Hein? Je m'en cache pas. Ah. Pourtant, c'est pas la fille pour toi. Tu devrais chercher ailleurs. C'est une proposition? Mais là, je suis prise, mais si je l'étais pas, je sais pas. Hein? Mais tu pourrais sécher. Avec des arguments convaincants, c'est fou ce qu'on pourrait faire pour avoir une lettre. La lettre de Lola est à moi, OK? Mais non. Maintenant, elle est à moi. C'est moi qui décide si je la montre à Pete ou non. Maintenant, tout dépend de moi, puis j'aille pas ça, tu sais. Ah, oh, un café, hein, on a dit. Je vais t'aider. Attention, les œufs. J'ai vu Alex aujourd'hui. Faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Elle peut pas tout faire toute seule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, là? T'es occupée, moi aussi. Quand j'ai le temps, j'y vais, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut trouver quelqu'un pour l'aider. Recommence pas avec ça, là. Tu sais ce que j'en pense. Ah! Oh. Ça, pour le savoir, je le sais. Mais là, c'est plus possible. Elle avait l'air d'un mulet. Elle va craquer, c'est sûr. Mais oui, je sais que c'est dur, mais faut qu'elle tienne le coup, pour un temps, en tout cas. Je comprends que tu veuilles faire des profits, mais faut pas exagérer. On en fera plus tard. Là, il faut rendre ça vivable pour tout le monde. Mais c'est même pas une question de profit, c'est une question de rester à flot. Geneviève, tu vois trop grand, tu te rends pas compte. C'est toi qui réalises pas. Chaton, on en a parlé en long et en large, OK? Puis même à la dernière réunion, Alexandra était d'accord avec moi. C'est sûr. Après trois réunions là-dessus, c'est évident que t'as fini par la faire douter. Elle est devenue raisonnable. Puis toi aussi, il faut que tu deviennes raisonnable. Chaton, s'il te plaît. Hein? De toute façon, on a dit qu'on n'en parlerait pas de ça ici. Tu vois, on est en train de te chicaner, là. Hmm? Mm. On parle d'autre chose, OK? Ouais. Elle capote encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Là? C'est qui ça, Roxane? Maman, il n'y a rien, là. Il y a une fille qui travaille au cégep. Elle est à Barcelone. Là. C'est tout. Il doit bien y avoir quelque chose pour que ça dérange autant Lola. Où sais-tu? C'est une belle fille. Une fille au bout. Ça va. J'ai compris. Tu peux pas comprendre. Tu l'as jamais vue. T'as fait rien, j'imagine. C'est une fille qui peut pas s'intéresser à un gars comme moi. Fait que Lola capote pour rien. Et toi, Pete, tu pourrais t'intéresser à une fille comme elle, hein? Un fou. Un gars qui pourrait résister. Je la voyais. Tout le temps de bonne humeur. C'est comme si elle n'avait jamais de problème. Elle est tout le temps en train de sourire. Ça s'explique pas, ça. Moi, ce que je voulais, là, c'est que Lola et elle, ce soient des amis. C'est pour ça que je voulais l'inviter à souper. Pas de quoi capoter. Avec ce que tu viens de me dire, ça m'étonnerait. Mais t'es certain, Pete, qu'il n'y a rien d'autre? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ça, que c'est que ça? Je viens de te le dire. Non, c'est comme je te parlais japonais, toi, des fois. Je te connais trop. Et si elle te disait oui, ta Roxane? Elle voudra jamais. Tu te l'ai dit. Une fille comme elle peut pas s'intéresser à un gars comme moi. Je la farille. C'est ça qu'elle dit. Et avec Lola, comment ça va? On recolle les pots cassés. Juste de même que je vois ça. Des fois, j'ai l'impression qu'elle n'a rien réglé avec Gabriel. Elle dit ça dans ma tête. Louise, des fois, je suis bien tanné qu'elle soit tout le temps de mauvaise humeur. Là. Je sais pas. Puis comme avant, on rit plus. Ouais. Elle va revenir. Il y a juste une mauvaise passe. Et Roxane, elle,
est toujours de bonne humeur. Hein? Tu essaies de me faire dire, toi, là. Tu capotes, toi, avec, t'es comme l'eau, là. Je peux pas trouver une fille correcte sans que vous pensiez que je vais la sauter, shit. Si c'était seulement ça. Le problème, Pete, c'est que tu tombes en amour. Pete, y a rien qui va aller comme tu veux tant que t'auras pas réglé tes problèmes avec Lola. C'est par là qu'il faut que tu commences. Il faut que vous vous parliez tous les deux. Shit, on fait rien que ça. Et tout le temps en train de me poser des questions, m'a reviré fou, moi. Écoute, c'est toi qui décides. Mais il va falloir que tu ailles voir en dedans ce qui se passe exactement. Chut, la vie est compliquée avec vous autres. Hey! J'ai un message pour toi. Ah, merci. Oh, ben tiens, ça me rappelle. Peux-tu mettre pour à mon agenda pour demain matin Lola Corbeil à 11h? Oh, tu connais Pete et Lola? Je connais Pete et Lola depuis longtemps, tu sais. Oh. Je la trouve bizarre, moi. Bizarre? Je sais pas. Entière, passionnée, ça oui. Elle m'est tombée sur la tête aujourd'hui. J'avais rien fait, moi. T'as dû faire quelque chose. Écoute, Lola est spéciale, mais elle ferait rien gratuitement. Tu penses? Peut-être à cause de Pete. Ah, ben là, tu viens de prononcer le mot magique. Pete, ça, c'est sacré. Lola est capable de n'importe quoi si ça concerne Pete. Il est bien fin avec moi. Un peu trop, peut-être. Moi, il m'amuse. Qu'est-ce que ça me fait rire, le monde mêlé? On dirait qu'il porte la planète à lui tout seul. La moindre petite chose prend tellement d'importance. T'es une belle fille. Elle est probablement jalouse. Bon, je m'en vais chez le directeur. T'as pas fini, si c'est ça. Faut que je te parle. Ben, là, ça donne mal, je suis pressée. La lettre que tu m'as envoyée, c'est toi qui me l'as pris, c'est ça? Ouais. C'était à moi, cette lettre-là, je voulais pas que tu puisses la montrer. Où est-ce qu'elle est? Je sais tu. Pourquoi tu me demandes ça? Tu voulais pas que je la montre? Mais tu sais pas où elle est. Elle est dans un tiroir chez nous. Fallait que je la cache vite. Je voulais pas que Pete se rende compte de quelque chose. Ah, oui. Es-tu sûre qu'elle est encore là? Bon, à quoi on joue, là, exactement, ce nouveau quiz, ça? Je le sais-tu, moi, ça doit? Tu regarderas ce soir parce que je pense que tu vas avoir une méchante surprise. T'aurais dû la laisser là où elle était. Je l'aurais jamais montré à personne. Toi, toi, t'es capable de tout. Et pourquoi elle serait plus à sa place à faire ça? Hein? Pourquoi tu dis ça, là? Tu regarderas tantôt parce que je pense que c'est Caroline qui l'a. Ouais, c'est elle qui me l'a dit. Puis ça, c'est bien plus dangereux que n'importe qui d'autre. Caroline? Oui. Comment ça, mais... Bonjour, Gabrielle. J'en profite pour t'écrire pendant qu'il n'y a personne. Je pense qu'il faut que tu saches ce que j'ai vécu exactement. C'est trop injuste, sinon. J'étais vraiment très mal à l'aise au café. Je voulais bien t'accorder ce que tu me demandais, mais quand Pete t'a frappé à la porte,
C'est comme si je m'étais sentie sale. Pete, je l'ai toujours aimé. Ma vie a toujours tourné autour de lui. C'est pour ça que je peux pas aller avec toi. Pas parce que je t'aime pas, c'est pas ça. Pete, je peux pas lui faire ça. Il serait trop malheureux. Puis je veux pas prendre la chance de me tromper. Je sais que tu veux comprendre. Il faut que tu me laisses tranquille parce que c'est trop difficile pour moi. Hein? Elle aime Gabriel. Je le savais. Il faut jamais que Pete apprenne ce qu'on a fait dans le café. Jamais. Il faut jamais qu'il sache que je t'aime à ma manière. Pas comme tu voudrais, mais c'est de l'amour quand même. T'as raison, entre nous, il y a un désir qui mourra jamais. C'est plus fort que nous. Comme s'il venait d'un autre monde ou d'une autre vie. Lola. Comme ça, il s'est passé quelque chose dans le café. Hey, t'es malade? Donne-moi ça. Ah, jamais. Niaise pas. Jamais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je sais pas, mais c'est pas toi qui vas l'avoir, mon petit gars, ça c'est sûr et certain. Donne-moi ça avant de faire une niaiserie. Ah, une niaiserie? Je me demandais c'est qui l'a fait en premier, la niaiserie. Donne-moi ça! Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ça! Ça sera pas long, Pete! Oh, merde, c'est pas vrai. Oh, Caroline Béliveau, tu vas me le payer. Hey, arrête, là! T'as assez bu! Y'a pas que ça va me dire quoi faire, moi. Marc-André a raison, là. Hey! Sauf que le sportif a du bon sens, c'est nouveau. Hey, chaton! Ton chum, il a de l'allure. Fais les terres, OK? Pete, s'il vous plaît, là. Pete, t'es pas drôle. Oh, ben. Y'a pas que ce que le monde dit. Y'en a un que je fais rire, tu sauras. Je trouve bien mieux vos faces de morue. Vos faces de morue, hein? Tais-toi donc, là. On vient de te dire que t'étais pas drôle. Ouais, ben ça. Fait tellement longtemps que t'as pas ri que je me rappelle même plus quelle couleur qui sont tes dents. On vient t'arrêter, on s'en va d'ici. Et ça. Fly! Fly, 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 fly. Arrête ça, Pete. Qu'est-ce qui te prend? T'as entendu parler? Ah, t'es tout, OK? Oui, tu capotes, toi. Moi, je capote! T'es-tu mal regardé, Pete Béliveau? Je suis même plus chez nous, moi! Je veux bien inviter qui que je veux. Pete, fais ce que tu veux. Yes, sir! Non, sir! C'est pour ça que t'es en train de te pacter de même? Parce que j'ai pas voulu que t'invites ta petite Roxane? Hey, tais-toi, OK? Tais-toi! Dis plus rien. Relax tes babines. Fais du silence, OK? Du silence. Bon, on se reparlera quand tu seras normal. J'ai jamais rien compris, toi. C'est le même, je suis normal. Ah, pig Béliveau. Ça ne trouve rien qu'un tweet. À tous les tweets de la Terre, tweet pour un, toujours tweet.